Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la visite d'un énorme studio en fait. Petit deux pièces, vous allez voir, il y a une toute petite chambre. On est boulevard Richard Lenoir ici, au deuxième étage, et vous avez un ascenseur. C'est un appartement qui est très particulier en termes de disposition. Une belle pièce de vie par contre, pas vraiment de chambre, une toute petite pièce qui va vous servir de chambre. On va voir ça ensemble. L'appartement sort de travaux de peinture, salle de bain et cuisine ont été refaites également. Électricité aussi, donc l'électricité juste là. L'interphone pour la deuxième porte en bas. Et la première, vous aurez un code pour rentrer. Reprend le sens de la marche. Donc là, tout de suite à l'entrée, on a les toilettes séparées. WC avec petite fenêtre et un lave-main. Ensuite, on va arriver dans un espace qui va desservir l'ensemble de l'appartement. Donc tout droit à la pièce de vie. À droite, les pièces d'eau. Et derrière moi, la fameuse petite chambre. Alors, première porte à droite, on va retrouver une salle de douche qui est toute neuve. Ça vient d'être fait. Vous avez une grande fenêtre qui fait aussi le battant, ça c'est pas mal pour aérer. Le meuble vasque avec les rangements en dessous, du placard ici tout autour de la porte. Alors, ils n'ont pas fourni de miroir, mais on voit qu'il y a une arrivée électrique juste ici, donc pour mettre un miroir lumineux par exemple. Donc en face, on va retrouver cette petite pièce qui fait à peine 6 mètres carrés, 5,78 exactement. Donc on peut y glisser un lit, mais pas grand-chose de plus. Donc sur le papier, c'est un bureau. On retraverse et on arrive dans la cuisine. Donc là, il n'y a pas grand-chose, on a juste un évier avec rangement en dessous. Un bout de plan de travail. Vous avez une chaudière ici au gaz, donc individuel gaz pour votre chauffage et pour votre eau chaude. Donc ça, c'est en plus du loyer. Ici, il y a quelques prises. Donc pour faire un linéaire, vous avez les arrivées prise force pour la plaque qui sont ici, ou l'arrivée gaz pour la plaque gaz par exemple. Et enfin, donc la pièce de vie, donc là par contre on a une très grande pièce de vie. C'est très calme, on n'est pas sur le boulevard, on est vraiment sur les rues derrière. Donc très au calme, une grande grande pièce de vie. Double vitrage PVC pour toutes les fenêtres. Et vous voyez, on est sur la petite rue de derrière. Pas vraiment de vis-à-vis, hein, c'est plutôt dégagé au-dessus. Et on va retrouver donc une cheminée qui va être décorative, qui est non fonctionnelle, avec des rangements de chaque côté. Voilà, vous avez tout vu pour cet appartement, très spécifique en termes de disposition, donc c'est plutôt un énorme studio et un petit bureau. Si vous souhaitez le visiter, n'hésitez pas à me contacter sur le compte Instagram, c'est letellier, LETE2LIER, tiré du bas, CO. Très bonne journée à tous.